Wesh la famille, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouveau vlog, on est au vieux port de Marseille. Non, pas du tout. Aujourd'hui on est sur un port les refs, on va faire du yacht, on va faire des plongeons, on va faire du jet ski. Grosse journée qui nous attend. Et un sacré barbecue aussi. On n'a pas filmé à la villa, on s'est réveillé les potes. Toute la nuit on a très très mal dormi. Diarrhée intense. Pour le caméraman, vomissement toutes les heures. Moi, grosse diarrhée toutes les deux heures. C'était interminable. Vous voyez la crema de coco? La boisson là, au lait de coco. On a pris un litre chacun, grosse erreur à ne pas faire au Mexique, on l'a fait, on est atomisé dans le lit. Et on n'a pas assumé les refs, voilà, on était trop mal. Là, il y a moyen, on est un peu bizarre durant cette journée. Je vous cache pas, l'humeur, c'est pas au top. Ouais, bah, on peut pas toujours être au max. Ouais, voilà, en espérant qu'on va kiffer cette journée là, on a pris un petit yacht. On a pris un yacht à 1700 balles. Il est incroyable. Là, on va rejoindre les sœurs, elles sont déjà sur le yacht. Wesh, ça tue sa mère. Oh, ça tue. Wesh, le yacht des joueurs de Ligue 1, frère. La tête de homme. Salut. Wesh, les filles. On est sur la croisette. Je suis sur mon yacht. Voilà. Voilà, elles font trop les stars. Hein. Je suis une michto, j'assume. Et toi, t'assumes, t'es une michto? Non, je suis pas une michto, j'ai pas besoin d'âme pour faire ça. Bah si. Pourtant, aujourd'hui, Adem. Elle en a eu besoin. Non, c'est juste parce que vous m'avez obligée à être là avec vous, sinon je l'aurais pris toute seule. Ah, toute seule? Toi, oui. Mais ça, c'est ça ton problème. Voilà. Les meufs, quand elles peuvent se démerder toutes seules, elles font les crevards. Non, mais la preuve, et elles disparaissent. Regarde, voilà, ça leur problème des femmes d'aujourd'hui. Non, t'écoutes pas. Regarde la preuve. La preuve. J'ai juste dit que vous étiez là avec vous. Vous avez dit vous êtes là grâce à moi, c'est pour ça que je veux pas de vous. Non mais j'ai pas dit ça. Tiens. J'ai pas dit grâce à moi. Moi pas besoin de moi. Alors que non, j'ai pas besoin de toi, c'est juste pour te dire si je vais le faire tout seul, je le fais. Moi j'assume. Moi j'assume. Kayla elle assume. J'assume, j'ai besoin de vous. Elle vous êtes là pour profiter. Wesh c'est bon, kiffez wesh. Mais c'est toi t'as mis une sale ambiance mon frère. Wesh comment il tue sa mère le yacht. Petit canapé en bien. Ça va maman? Oui ça va, ça va. Comment pour l'instant? Nickel. Oh fuck. Oh il tue sa mère. Non franchement c'est... C'est grave luxueux quand même. Ouais, il y a une petite télé là en plus. Allez, ici c'est les chiottes. Salle de bain, wesh, il y a une salle de bain genre. Des chiottes. Eh, on a la diarrhée, il y a moyen, on les extermine. Wesh, Kayla. Quoi? Il y a un autre lit. Wow, il tue celui-là. Oh. Wesh, incroyable. Wesh, ça tue, c'est trop d'or. Oh, et une douche. Ah ouais, encore une salle de bain avec une... Une douche. Une douche et des chiottes. Ça, c'est lourd de ouf. Oh, je suis belle, hein. Comment ça t'es belle? Il y a une vitre ici, du coup je me suis regardée. Avoue que je suis belle, vas-y, avoue. T'es éclatée. Oh comment je suis en sueur. Oh, la vie de ma mère les refs, regardez. Je colle. On est tout collant, on est en sueur de ouf. Ah, oh, il est trop chaud. Ça va? J'ai pas mangé ce matin, on est venu direct. Wesh, y'a plus personne qui sort. Les potes là, on sait même pas ils sont où, on peut même pas faire de faille. Tout le monde a repris le taf, mais bon. Hey, tu sais quoi, moi j'ai serré frère. La tête d'âme, tu vas jouer avec moi, je crois. Quel jeu? C'est Honkai Star Rail. C'est quoi? En fait, je t'explique, ils ont sorti une nouvelle mise à jour 1.3. Jure! Honkai Star Rail, c'est un jeu RPG stratégique. Je sais que t'es pas stratégique, mais ça va le faire. C'est aussi un jeu fantastique, comme moi. En gros, là, tu vas être plongé au cœur de la galaxie. D'ailleurs, la famille, même vous, hein, c'est le jeu du moment. Si vous voulez jouer avec nous, parce que ça y est, j'en ai marre de galérer. D'ailleurs, je télécharge tout de suite. D'ailleurs, c'est le dernier jeu créé par Oyoverse. Il est disponible sur mobile, PC et même jouable en cross-platform. D'ailleurs, la famille, il est bientôt disponible sur la Play à partir du dernier trimestre de cette année. Comme ça, vous nous rejoignez tous en partie sur la Play. Combien de personnages, à ton avis? Plus de 20 personnages, t'as du mal, hein. Et du coup, tu connais chaque personnage à sa personnalité et son histoire. Comme moi, tu vois, je suis ténébreux, j'ai mon histoire. Et à part la mise à jour, il y a quoi? Genre dans le jeu. Ils ont ajouté un nouveau personnage trop stylé, je la kiffe parce que c'est une meuf. C'est Fuk Zoan. C'est un personnage de soutien qui est capable d'absorber les dégâts de ses alliés. C'est incroyable ça veut dire que tu me frappes, bah j'absorbe ton truc. Ouais vas-y absorbe là ce que je vais te donner là. Mais en gros ça permet de réduire les dégâts de son équipe. Parce que c'est elle qui se mange tout, tu vois, c'est trop mignon. Elle sacrifie pour les autres. Ouais, c'est pour ça que je l'aime. Bref, le nouveau mode de jeu c'est roguelike, dans une version de l'univers simulé et une suite à l'histoire principale de Xianzu. En vrai avec ce jeu incroyable, on peut plus s'ennuyer. En vrai quoi qu'il arrive, je m'ennuie si je joue qu'avec toi. C'est pour ça la famille, la commu là. Si vous voulez nous rejoindre sur Honkai Star Rail, utilisez le lien en description pour télécharger le jeu. Et aussi là il y a un code qui s'affiche à l'écran pour bénéficier de 10 sauts hyperespace gratuits qui pourront être utilisés pour essayer d'invoquer Imbibitor, Lunae ou Fuk Zoan. Donc n'hésitez pas à télécharger le jeu. Ouais, c'est comment? Bon les frères, là c'est parti, ça a déposé notre jet ski. D'entrée de jeu, on va s'éclater frère. Qui monte avec moi, qui monte avec Adem? Peu importe, moi. Peu importe. Vas-y Kayla, viens avec moi. Ouais. Oh non, ouais. Ok, je conduis ou tu conduis? Bah, conduis en premier, si je vois c'est facile, je conduis. Allez frères, dites-vous, on se motive. Hein. Bon là, la maladie
ça dégoûte. Tu vois rien. Je suis pas bien depuis tout à l'heure. En plus, t'as le mal de mer là, tu vas tanguer un peu. Moi, j'ai le mal de diarrhée. Voilà, on va se changer, pardon. J'ai le mal de père là, carrément. Oh là là, l'eau. Incroyable. Ah, c'est chaud dedans. C'est carré. Oh là là, ça va être incroyable. Allez, Adam, il monte. Vas-y, t'inquiète, assis-toi. Ah, il a du mal, le poteau. Il va tomber. Here. Yeah. Ok, let's go. La clé. Ok. La clé rapide, ok. Ok. Ok, bouton noir est là. Ok. Gâche du bras, accélère. Accélère. Traîne. Ok. Bien important, 30 mètres de distance de levato. Ok. De 10 pieds, ok. Ok. Ok, ready? Ready. Ok. Oh les frères, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Bon, regardez, les autres, ils sont où? Ils sont sur le bateau. Coucou Kayla. Coucou. Ça va bombarder, hein. Je fais trop le milliardaire et tout, genre, avec ma petite Patek Philippe de Wish. Coucou. Salut. Ah, c'est chaud. Ça va? C'est ok? Coucou. Okay. Vous allez bien? Je suis belle, hein. Ah non, je suis moche. Allez, on y va. Accroche-toi bien à moi, mon gars. Oui, oui. 1, 2, 3. Fuck. Oh, fuck, ça va? Ah ah ah. Ah, c'est incroyable, Dan Press. Eh les frères, là on est sur nos moments inoubliables de la chaîne, frérot. Là, là c'est incroyable là. Et là ça va bombarder là. Attends. C'est parti. What the fuck? Oh fuck. Oh là là. Alors tu kiffes? C'est une dinguerie, j'aime trop. T'as une dingologie, mon rêve. Les jet skis sont hyper puissants. Ouais, de fou. Et là c'est parti et ça va bombarder. Attends, attends. 3, 2, 1, back. Tiens-toi bien. Oh non non. Oh, c'est incroyable. Arrête de crier. Arrête. Eh, voilà, ils sont trop puissants, wesh. On va aller rejoindre Bilal. Salut, salut. Wesh. Let's go. Bien quoi? Ouais, tu ne fais pas comme la dame. Tu veux que je vais vite ou doucement? Non, normal. 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 C'est parti. Salut. Vas-y, bombarde. J'en ai jamais fait Bilal. Bon, on va les poursuivre. Let's fuck. Là on est rentré. En ce moment même là vous voyez ce vlog, bah on est déjà chez nous. J'ai l'impression que là on est de retour à la civilisation. Le monde des Mayas c'est terminé les frères. Pour revenir la famille à ce voyage du Mexique, on voulait remercier la clé des Playas qui nous ont super bien accompagnés. Du début jusqu'à la fin ils ont été là. Dès que t'arrives à l'aéroport ils sont hal frère. Voilà, ils sont venus nous chercher à l'aéroport et ils nous ont déposé en partant. Pour ceux qui savent pas, la clé des Playas c'est quoi? C'est une agence française du coup mais qui est basée au Mexique. Donc c'est franco-mexicain. Du coup pour ceux qui veulent aller au Mexique, vous
voulez faire des excursions, des activités de malade comme nous on a fait, hein, vous avez vu là durant les vlogs, toutes les activités là c'est grâce à eux. Sans la clé on pouvait pas le faire. On aurait pu le faire, mais peut-être pas au même prix. Et pas dans toute cette facilité là, genre tu vois l'accompagnement. En fait t'as l'impression que les gars là qui tiennent ça, c'est limite tes potes. Ouais vraiment, après même quand t'as des galères, bam ils sont là. Avec les keufs, bam ils sont là. En tout cas ça restera gravé dans nos têtes, on a pu faire des trucs de ouf. Sans papa, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il faut aussi de la location de voiture. Là, la famille, le dernier truc qui sort, la dernière vidéo entre guillemets qui sort du Mexique, c'est un clip. Bon, là, vous êtes au courant, ceux qui nous suivent sur Instagram. Dans ce clip, on a pris une voiture. Et bah, avec la clé des Playas, tu peux en louer une aussi. Voilà, tu peux louer location de voiture, T-Max. Appartement. Appartement aussi. Tu fais tout par eux direct. Tu prépares toutes tes vacances qu'avec eux. Ce qui est bien, et ça, j'oublierai jamais, parce que ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Tu vois la viande là. Tu vois, lui, il est pas halal. Ils ont de la viande halal. Voilà, nous, au départ, on était au Mexique, on disait, on en manque de viande là. Bah, la famille, ils exportent de la viande halal. Ça, c'est une dinguerie. Après, ça bouge pas. Location de yacht, jet ski, quad, bref, tous les diverses activités au Mexique. De toute façon, vous voyez à l'écran, c'est incroyable. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description de leurs réseaux sociaux si vous voulez les contacter. Ou encore mieux, il y a le lien direct du contact WhatsApp. Donc voilà, vous les contactez directement là-dessus. Un grand merci à la clé. Gros bisous. Bisous. Bon. Kayla. Oui. Là, ça va aller visiter une mangrove. Ouais. Non, c'est pas une grotte. Ah ouais? C'est une mangrove. Oh. C'est, en gros, c'est des parcours labyrinthes comme ça. Ouais. Il y aura des branches, c'est dans la jungle, ça va être incroyable. Jungle. Bon, ça va m'apprendre à conduire mieux le jet ski. Je le gère, hein. Mais là, on va voir c'est qui le vrai pilote. Ouais. C'est parti, on y va. Bon, les frères, ça va rentrer là-bas, là. Il faut se laisser un écart de 5 mètres entre jet ski. Alors là, il faut laisser 5 mètres d'intervalle entre nous. Il faut y aller doucement dans la mangrove. Ok, Bilal, c'est parti. Ouais, c'est parti, on va rentrer. Il y a des crocodiles, peut-être. Non, non, il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de crocodile, là, ouais. Oh, il y en a. Il y a 6500 crocodiles. Putain, il y a des crocos, les frères. Il y a plus de 6500 crocos, wesh. Là-bas, là, genre. Là, ça va faire. On va passer dans un labyrinthe, frérot. Il a dit, faut pas tomber dans l'eau. Ok, c'est le challenge du jour, ne pas tomber dans l'eau. Bilal, tombe pas dans l'eau, c'est important. Là, si on tombe, on est fini d'eau. On rentre dans le labyrinthe. C'est incroyable, oh. Regarde la tête que j'ai. On voit ta vraie face au naturel. Attends, fais voir. Ça va, t'es belle. Ah. Wow, voilà, je suis un pilote de jet ski. Lunettes, t'as capté? J'ai enlevé ma montre parce que... Vas-y frère, elle a pris le sel, j'ai le seum. Oh, avance. Il sait pas conduire. Léa, viens, fais serrer Adem, j'avance pas. Il a trop le seum, regarde. Écoute. Avancez, frère! Accélérez, frère! Voilà, tu m'envoies dans les buissons, frère! Avance, c'est pas que j'ai. Oh, voilà, c'est inoubliable ce qui se passe. Ouais, de fou. Regardez, wesh! Juste apprécier, frère, regardez! Let's go! Ça va, t'aimes bien? Incroyable, j'ai même plus les mots, frère! Bon les frères, sur le toit du bateau. T'es mal le spot. Incroyable. Regardez la vue de fou, il y a plein de bateaux, ils s'arrêtent et ils font danser les chicas et tout. Là ça va être celui qui fait le meilleur plongeon. On en a tous trois chacun. Ok. Bah celui qui a le meilleur. Vas-y c'est commence, tout. Je te filme. Ok. Et moi je suis imbattable. T'as parlé hein. Donne la GoPro dans l'eau. Comment elle fout la haine, j'ai envie de les tarter. Tu peux pas mon you-you-you. Oh mais vas-y vas-y, a fait son you-you mais tu le rates pas. Vas-y. Oh putain! J'ai
En vrai, ça va. Merci. Maman, elle est fière de toi. Ouais, je pourrai le faire au mariage d'Adem. Ah non, c'est vrai. Il n'y a plus de mariage. Il n'y en a plus. Pardon, je vais prendre de l'élan. Regardez, wesh. Wesh, une colle de mur. C'est Adem qui commence. Ok. D'abord la bouteille. 1, 2, 6. Attends, mais c'est éclaté. Vas-y, à toi. Vas-y, en bouteille. Allez, Bilal. En bouteille. À moi. 1, 2, 6. C'est pas profond, moi c'est mes fesses qui ont tapé. 1, 2, 3. Il pue la merde nos plongeons. Bon, vas-y Adem, là on fait le plongeon de beau gosse genre. Allez, elle a du mal à monter. Tu m'aides. Ah ouais, carrément. Carrément. Vas-y, aide là wesh. 2, 6. Oh, bravo. Merci. À moi. À Kayla. Oh, allez. Ouais, ça va sauter dessus. Oh. Attends, attends. Ah. Ah. Ah là, le gars m'a fait peur. 1, 2, 3. Oh fuck. Voilà, c'est incroyable. Ouais, j'étais bien là. Ouais, je vais me barrer. Attends, attends, viens. Non, Adem. Oh, Adem. Ah, je te tiens. T'as lui. Allez, wesh. Vas-y, combat de lutte. Vous allez trop loin là. Mettez-vous debout, allez. 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 Vous êtes trop naze, wesh. Et le vieux combat, ça a duré 20 secondes. Ah, j'ai noyé. Là, je dois faire un salto. Non, 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 arrête. Non, de faire. Non, non. Asmar, il est pas là pour faire des saltos. Elle bouge, je fais un salto. Ouais, c'est vrai qu'Asmar, il est pas là pour faire des saltos. 1, 2. Mais wesh. Ouais, allez, la lutte, là. Voilà. Un partout. Un partout. Vous allez où? Vous êtes trop nuls. Mais moi aussi j'en ai. Aïe. Mais ça. Elle a réussi. Allez, montez, montez. Thanks. Ah, allez, allez. Oh, le gros tas, lui. Ah, tu dégoûtes. Allez, aide-moi. Ah, fuck. T'es bad blé. 1, 2, 3, vas-y. Monte nous quitter. Vas-y. Monte tes qui. Vas-y. Voilà. Tu vois. D'accord. Mais pourquoi faire ça à la fin? Arrête, arrête. Arrête. Et là, la bombe. Bouya Chaka. Vas-y, Bouya Chaka. Attention. Mais c'est un malade. Petit barbecue. Trop stylé, ce truc, là. Ça c'est un barbecue pendant que eux ils sont en train de nager. Je crois qu'il essaye de monter. Ah. Essaye de faire quoi là? J'en ai marre. Ah. Pourquoi je vais me faire broyer par le bateau en dessous? Arrête, mais arrête, arrête. Tu vas vraiment te faire broyer par contre. Arrête, viens là. Ah bon. Regardez les refs. Ils nous ont mis bien. Regardez toutes les boissons qu'il y a. Bon, la bière, c'est pas pour nous. Nous c'est plus coca zéro, de l'eau. Chef, on peut voir le barbecue? Ça dit quoi par ici? Regardez la famille, la viande en train de cuire. Oh là là, on va se régaler. Juste ici, il y a même des merguez. On va se casser le bidoche. Pour la famille, là, je suis venu dans le lit, je suis KO. Vraiment, journée fatigante de ouf. Tu fais quoi ici? Le gros cul. Ah, c'est d'un puer. Ah, t'as ouf, arrête, wesh. Ah, colle ton nez. Hey. Ouais, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, les gars? Colle ton nez. Vas-y, ferme, je vais faire un truc, moi, de la vitre. Adios. Oh là, il est trop bête, les frères. Il fait quoi? Vas-y, ça devient bizarre, là. C'est quoi? Je te rends ta cam, ça devient chelou. Aïe. T'as fait tomber sur les abonnés. C'était incroyable, en tout cas. Ça m'a fait du bien. Ah.
Franchement, c'est des vaillants, ils cuisinent depuis tout à l'heure. Ça a fait des maïs et tout. Oh là là, c'est ça la viande. Chef, il a fait une vraie cuisson. Ah, il a fait le maïs aussi. Oh là là. Lui, c'est le boss du bateau, les frères. Cuistot, le boss, tout ce que vous voulez. Eh, hey, on colle. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Bon, on va se faire une potion avec du citron parce qu'on a trop mal au ventre encore. Alors, maman, cette journée de bateau. Elle est magnifique. Tu kiffes là? Ah ouais, ouais. Bien, regarde. Trop, trop bien. Ah, mais là-bas, c'est une plage. C'est une île. On est arrivé dans une île. Je t'ai battu, hein. Attends, dis-toi en commentaire, c'est qui le plus bronzé? J'ai battu une femme sur l'île de Las Mujeres. Las Mujeres. Léa, dis les termes, je les tape là. C'est qui le plus bronzé? En fait, c'est Bilal le plus bronzé, mais toi t'as un sous-ton un peu plus caramel, lui il a un sous-ton plus rosé. Voilà. Comment ça, rosé? T'as un cochon, t'as un rose, alors qu'elle a un sous-ton caramel. Moi je voulais un bronzage Punta Cana, les frères. T'as un cochon. Je voulais un truc caramoule. Caramel, mais avec un sous-ton rose. Ah, Zarma, je suis du saumon. Bon, Adam, il m'a fait une potion. Il y a quoi dedans? De la vodka. C'est de l'eau et du citron. C'est claqué, hein. Tu penses que ça va me guérir? Oui, remets pour les fesses. Ça sent trop bon, là. Vous en aurez pas, vous. Putain, j'aime trop. Wesh! Oh, cet enfant-là, j'ai failli tomber. J'aime trop ce côté du bateau. Ah, fait trop la DSL. Voilà, je suis en mode BG. Le plan, il est magnifique. Merci YouTube, merci la commu. Voilà, je vous aime. C'est une dinguerie. Oh, cette vie-là. J'aimerais dire j'adore. Mais on adore que Dieu. J'espère que vous avez la ref. J'aimerais dire j'adore. Mais on adore que Dieu. C'est un câlin. Ouais. Oh, fuck. Arrête de dire ça, c'est pas bien. On est bien là. On est bien. Mais tu colles. Ouais, on colle. Oh. Bisous. Tu m'as rejoint, mon amour. Mon chéri. Et moi? Oh, arrête, les gens ils vont croire on est. Arrête. Bah, on l'est. Arrête. T'es froide toi, t'es mouillé. Laisse-moi avec mon chéri. Arrête, Adèle. Il y a des gens, il y a d'autres bateaux autour. Mais regarde. Oh, pas. Regarde la pauvre qui est là, elle est toute seule. Tiens, je fais des aisselles. J'ai mal au ventre encore, ça me casse la couillasse. Moi aussi, frère, j'ai plus envie de chier. Ouais. Dites-vous, là, il y a un barbecue à la viande, je vais même pas la manger. Moi, je mangeais que le maïs, je crois. Non, tu vas y acheter du maïs après. Faut manger du riz. Eh, vous êtes salé. C'est vrai, Adèle, t'es salé. Tu crois qu'on allait être sucré? Commence pas à lécher de ouf. Mais tu fais quoi, frère? T'es trop bon. T'es salé. Vas-y, ambiance bizarre là. T'es salé. C'est vous là, on peut pas écouter le soleil. C'est vrai que le soleil il a un bruit genre. Ciao. Allez, bismillah les frères. Bon, on va goûter la sauce piquante avec les chips. Oh, coca bien frais. J'avais pas du tout faim mais l'appétit elle est revenue genre. Voilà, vous me donnez trop faim frère. Bah mange. Mais non, ça va se retourner dans le ventre. Après, tu mangeras du citron. Mais ouais, tu prendras du citron après, mange. Moi, je vais taper une madeleine. Ouais, on a du salé, il mange du sucré, le fond. Mais en fait, comme c'est du pain, ça absorbe, tu sais, le vomi et tout. Ouais, mais parle pas de ça, on mange. Moi, je la trouve bonne, la sauce piquante. Madeleine, sauce piquante. Ouais, vas-y. Non, 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 pas ça. Ah ouais, déjà que t'as mal au ventre, là, t'es mort. Je suis trop fatigué aujourd'hui, wesh. Faire du jet ski, ça me fatigue, hein. Non, surtout être avec les filles, ça fatigue. Voilà, j'étais sur le jet ski que à me griffer le dos, wesh. Casser la tête. Vous avez vu comme on est tout collant? Moi je suis noir. Voilà, on est tout brillant, on est du lubrifiant. Et moi je vous avais dit, barbecue au poisson, vous me faites les flemmards. Regardez cette viande. Putain, vous avez de la chance, vous allez pouvoir manger tout ça là. Je sais même pas pourquoi tu te prives frère, mange. Putain, je suis moche en caméra. Ah, il coupe quoi là-bas? Je vous jure qu'en vrai je suis trop beau. Oh my maïs. Gracias amigo. Je croyais qu'il m'avait mis un vent mais... Non. Fais à manger là, c'est un ouf lui. Arrête de faire ça à chaque fois. C'est un ouf lui. Tu manges le maïs? Non. Moi mon repas du soir c'est deux madeleines. Ça en fera plus pour vous, Psartek, mais moi c'est mort. Hey, j'ai un truc à dire, on a même pas fait les plongeons, vous êtes nuls. J'étais tartiné en lutte, ça me suffit. J'étais tartiné au catch, ça me suffit. T'as oublié ou quoi? C'était pas du catch. Là c'était de la vraie tape là. La dernière fois le catch s'est tué. Bilal, je suis prêt à jurer que jamais tu me tueras en bagarre. Non, non. Jamais. Arrêtez dame, j'ai juste un peu forcé, il a saigné. Imagine-toi, je développe mon Super Saiyan divin, il est mort. On va le laisser espérer et tout parce que c'est un petit et tout. Il a pris la confiance, ça y est, il a 2-3 muscles. Mais il sait pas. Celle-là, c'est une Rokia, les frères. Hey, tu sais quoi, je coupe la caméra carrément. Parce que là, tu sais, ça peut partir à tout moment la fourchette. Non, je la garde. Tu vois, j'ai pas envie de te manger comme la viande. Non, mais attends, là. Je vais te parler sérieux. Je vais te manger comme la viande, frère. Comme ça. J'aime pas tes blagues déjà de 1, mais de, et de. Oh. Oh. Oh, le maïs. La réaction était épique. Et de. Oh. Regardez ce maïs. En tout cas, il y a des bouts de merguez au milieu, comme ça. Il a raison. Il est beau gosse, hein. Yoann, viens manger. Ça va. On dirait du riz. Ouais.
Vous êtes parti acheter du maïs pour chevaux ou quoi? C'est du maïs pour poney, les frères. Arrête de cracher quand tu parles. Pardon. Oh non, attendez, faut que je vous nettoie un peu, les frères. J'en prends une assiette. Ah, là, je vous ai bien nettoyé. Ouais, parce que vous puez un peu. Coucou. Ah ouais, tu voulais que prouver, hein. Coucou. La famille, on a bien dormi avec Adem, carrément, là, c'est le coucher du soleil. Ouais, il a mal le soleil. T'as pas dormi? Ah si, j'ai dormi. Si, il a dormi. Attends, venez voir sur mon vlog, vous allez voir, ils ont pas du tout dormi. Ouah, comment vous voulez se faire de la pub, Starfona. Wesh, Adem. Ça va? T'es rose. Tu t'es bien reposé? Pas du tout. Je suis tout mouillé, on colle. C'est trop beau. Ta gueule, je pars. Bon, les refs, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rejoindre à la villa. On a une heure de bateau. Voilà, là, on rentre. Gros bisous, t'arrêtes de sentir tes aisselles. Oh, bisous. Coucou. Pourquoi tu fais le bébé? Mais j'ai juste coucou, wesh. Ouais, enfin, elle a 28 ans, frère, elle fait le bébé. Wesh, comment je suis bronzé. Mais moi, regardez comment on est. Donne-moi les abdos, donne-moi les abdos. T'en as pas. Donne-moi les. T'es mal les abdos. Le bateau en face, on dirait. Lâche. Non, non, non. Lâche. Mais toi, lâche. C'est moi, lâche, va là-bas. Non, c'est moi qui le fais. Bouge. Il a dit non, mais là. Mais Bilal, il a dit c'est moi qui dois le faire. Non, c'est moi qui fais. Mais non, Bilal, il a dit c'est moi qui fais. Mais Bilal, il a dit c'est moi. Aïe. Bon. Non, bien, il a dit c'est moi qui fais. Eh ben non, c'est moi. Choubidou, bidou. Wesh, ça y est, réveillez-vous. Mais Léa, c'est à moi de le faire. T'as toi. Mais non, c'est pas drôle, vas-y, coupe, frère. T'es trop moche. Ta gueule. Une belle morsure, hein. Tape la pause. Hein? J'arrête de crier. Tape la pause. Waouh! Bon, allez, levez-vous là! Eh hey, oh! T'es trop moche! Bilal! Laisse-moi dormir là! Ça y est! On y va, de toute façon, on se barre là! Allez, on y va! Wesh, on dirait que t'es en train de décéder, wesh! C'est presque ça! J'ai ramené une couverture! Une couverture? Une quoi? Une couverture! Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il fait 40 degrés! Allez, levez-vous là! Allez! La GoPro, elle a 4%! Faire quoi? Tu veux qu'on se lève? Ta parce grande que... sœur la chauve. Je suis pas chauve déjà pour commencer, j'ai pas de grande sœur, ok? Elle veut qu'on se lève pour être assis là-bas. Bah si on rentre, il y a une heure de bateau, nous on dort. Allez, montez dans vos champs. Non, descendez dans vos champs. Il a raison. Allez, vas-y, j'ai peur parce que je suis à 2%. Allez, ciao. Ah, j'ai mon lit. Dans le bateau. Ciao. C'est incroyable, les refs. Salut les filles. Salut. Au revoir. Ça tue, hein. Incroyable. Ça fait peur un peu là. Avec la petite musique de fond là. C'est le bateau en face. Bon, il y a une boîte de nuit, on y va après. Vas-y. Direct. Waouh, le yacht de nuit, c'est incroyable aussi. Adem. Ça tue. Adem. Adem. On est arrivé, mon ref. Voilà comment il a dormi comme un gros bébé, lui. Tu viens? On est arrivé. Ouais, ça y est, hein, le bateau il est arrivé. Mais on a encore 2 heures de route en voiture. T'as t'es KO, wesh. Ah, t'as l'air tout gluant. J'ai jamais été aussi sale, on dirait un escargot. Une envie de prendre une douche là? Putain, il est incroyable. Vraiment le meilleur yacht, hein. Oh là là, c'est beau gosse. Bien? Bien ou bien? C'était incroyable, vraiment, on a kiffé cette journée. Incroyable. T'as kiffé toi aussi? Je peux rester sur le bateau? Bon, là j'ai envie de rester, j'ai trop le seum de partir. Ouais, genre, venez, on fait la nuit ici, il y a des lits et tout. Bah, Adem, t'inquiète pas qu'il dort, genre. C'est vrai? Il est dans le lit. Oh, le chien. Là, il a raison, là. Moi, je vais me changer. Plus important, là. Wesh, il y a un tapis de prière. C'est toi? Non, c'est une serviette, chérie. Voilà, on aurait dû un tapis de prière, wesh. Du coup, maman, ta journée? Ah, magnifique. Vraiment? Magnifique. Putain, j'ai la haine.
pourquoi. Parce papa que... il est pas avec nous. Ouais, je veux répéter, hein, mais... Ouais, je sais. Genre, je fais tout ça pour que ce soit toi et papa, mais ouais, non, c'est que toi, ou alors que papa. Moi aussi, j'aurais bien voulu qu'il soit là. Tu fais des trucs en famille, mais il manque quelqu'un, du coup, je suis pas... Bah, c'est quand même la première fois qu'il est pas avec nous. Je suis pas à mon max, là. Mais bon, c'était la destinée, c'était comme ça. Ouais. On accepte. On a pas le choix, de toute façon. Ouais. Hein, on parie, tellement je connais bien ma mère. Maman. Oui. On a pris le yacht. Oui. On a pris des boissons et tout. Obligé, t'as récupéré toutes les canettes du bateau. T'as récupéré les sauces. Elle a récupéré tout. Ah bah oui, on nous a payé. Voilà, c'est grâce à ma mère que je suis un rat. C'est tout. Coucou, ça va? Pas trop fatigué là? Je suis KO, là je vais dormir pendant 4 heures. Et toi t'es pas trop fatigué? Du tout moi. Ah tu l'as réexpliqué pour la coupe de quoi? Ah ouais, à la villa, skip. Ouais, à partir de 2h du matin jusqu'à 9h, pas d'électricité, donc pas de clim. C'est quoi ces étapes de la vie là? Maman, elle a dit, faut que dès qu'on rentre à la maison, on refroidit toutes les pièces. Vas-y, okay. Ciao, merci. Merci Johan. Bon allez, 2 heures de route. Allez Adem, c'est toi qui conduis. Le retour à la villa. Allez go. Franchement la famille, encore une des meilleures journées au Mexique. Toutes les journées, elles se ressemblent pas en fait. Du coup, c'est du lourd. Bon, la famille, on se retrouve ici, les amis. Regardez, on est dans un magnifique five. Même au Mexique, on fait des five. Là, on va jouer contre les Mexicains. On n'est pas contre des Brésiliens, on n'est pas au Brésil. Je sais pas ce que ça vaut ici, le Mexique au foot. On va voir ce que ça donne. Là, je pense, il y a moyen, on se fait taser parce que un mois sans foot, là. Après, je crois, regardez, machallah, ça se voit, ils mangent bien, les Mexicains, regardez. Ouais, franchement, ils sont bien gardés. Regardez, il y a le plus stock ici. Regardez, il y a qui avec nous. Quand tu me vois, tu sais que je vais mettre des pétards. Voilà. C'est vous, les gars. Allez, ouais, j'ai... Bien. Je suis avec les Mexicains. Voilà. Là, voilà. Bon, vous avez vu un peu leur dégaine, on va les taper, je pense. Attends, j'ai envie de rigoler. Pour commencer, avec vous savez pas, mais lui, c'est un ancien joueur pro. Non. C'est faux. Bon, les frères, ça part, on bascule cette caméra, pousse la caméra du cadreur. Bon match à tous, les frères. Mexicain, pas mexicain, on leur fait du sale. Attendez, juste au cas où, les refs, j'ai mangé un sandwich au thon avant, il y a moyen que... Bon la famille, fin du match. Ouais. Ben attends, je vous check les rangs, ça vous dérange pas? Non, t'as parce que t'as perdu et tout, non? Parle plus avec nous, toi. Ah, désolé, les frères Adem, bien joué, mon ref. Eh voilà, c'est un traître. Tranquille, les refs, bien joué, voilà. T'as joué avec les Mexicains, frère? Ah, mais frère, je suis un mec d'ici. Il nous a abandonné, frère. Attends, vite fait, notre niveau, c'est comment? Non, voilà, vous êtes bon, voilà. Toi, je pensais pas que t'étais technique comme ça, frère. T'es technique, mais t'es un de ces bâtards. Je pensais que lui, c'était un plus grand rat que toi. Non. Mais lui, il est plus altruiste que toi. Il distribue et tout. Ouais. Toi, t'es un de ces bâtards. T'as que pour humilier les gens. Que skills sur YouTube. Mais en vrai, toi aussi, hein, tu joues bien. Hein. Non, non, l'été. Était... Ouais, tranquille, c'était. Tu joues propre, c'est tout. Ouais, propre, c'est tout. Pétrole, mec. Ouais, je suis là, ça pas de 48, c'est du 41. Père plus grand que lui. Allez, ref, ça défonce. J'ai jamais été autant en sueur de ma vie. Regardez, wesh. Moi, je suis en sueur, mais en vrai, si j'avais des chaussures. Déjà, je crois j'ai mis 6 buts. Ah d'ailleurs je t'ai pas dit. Quoi? Les frères, ma chaussette elle est trouée. Ça veut dire là, dis-toi, j'ai une ampoule. Ça dégomme. Bon en tout cas c'était sympa les frères. Et il y avait combien au score final là? Bah en fait on aurait pu continuer mais ils ont voulu arrêter et ils ont gagné plus 1. Ouais, et en tout il y a eu combien? Je crois il y a eu 15-14. Oh, viens on dit on a gagné pour les caméras. Oh, on a gagné. Oh, c'est nous en fait on a gagné 15-14 et l'équipe de Jawed, lui là-bas là, ouais. Ils ont perdu, son nul. Ça fait quoi d'avoir perdu le match? Je pense qu'on a 12. Ah on fait ça pour la vidéo. Ouais. Ah j'ai la haine les frères, ouais. Vous étiez trop fort pour nous, on a pas réussi les deux. Merci. Ah Jawed, on peut taper là? Ah là on est au cartel frérot. Hein? Là il tape avec des grandes boxes ici. Là c'est, ouais, je tu sens que c'est... Oh. Là, il tape avec des grandes boxes. Vas-y alors ici alors. Voilà. Voilà. Ouf. C'est dur aussi? Wesh. Ah ouais, ah ouais.
GLT. Ah, t'es là cette année. Hein. Oh, là, t'es là cette année. Je suis là cette année. Ah ouais, t'es là. Putain, t'es où cette année? Moi, je suis pas là. Moi, je suis tuba. Vas-y, vas-y. Hey, les frères, vas-y. Regardez bien. Regardez bien, je vous annonce. Regardez leur corps. On verra au mois de janvier, Inch'Allah, vous allez être choqués. Regardez bien. Regardez bien, les frères. Regardez bien, on va être trop stock. Hein. Les corps de lâche. En janvier. C'est pas le corps. En janvier, c'est fini tout ça. De la guimauve, frère. En janvier, c'est fini. Hey, plus stock que Jawed. Plus stock que WAM. Moi, y'a rien, moi. Après, t'as mis un an hein, pour faire ça. Un peu plus, quand même. Un peu plus. Hein. Avec ou sans hormones? Non, moi, je suis pas dans ça. C'est que du naturel, que du sac. Chir Salim, il a 36 jumoura à son actif. Ah, c'est chaud! Vas-y! Oh, oh là là! La sauce! Oh! Ouh! Et je ressens le choc à travers le sac, c'est plus! Et Mike, tu vas! Ah non! En fait, le problème, c'est que ça va griffer la peau un peu. Ouais. Moi, je pense que je suis un mec rapide. Ouais, t'es vif, t'es vif. Ouais, regarde. Ouais, je t'ai mis. Mais le sac il bouge pas trop. Ouais, mais après, mais j'ai pas dit que j'avais de la force. Ça, j'ai des vertiges, frère, je vomis. C'est ce qu'on aurait dû faire avec Jawed, le jeu de la machine à patates. Ah, dommage. Là, je suis claqué. Ah ouais? Voilà. Je suis une légende. Et ça. Voilà. Ouais. C'est un five ou une prison, frère? T'es mal les barbelés. Salut la famille. Ça y est, c'est la fin. La fin du voyage au Mexico. On a trop le seum. Oh, il est parti avant. C'est le dernier jour là. On part. On a notre vol ce soir à 19h. Et puis voilà, là c'est en train de faire les valises. Alors en fait moi je vous explique, je suis contente. Non, en fait je suis pas contente de partir parce que le pays il est cool en vrai. Mais je suis contente parce qu'on va voir papa. On va retrouver papa. Ouais, papa. 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 Je vais aller voir Léa. Salut. Salut. Ça y est Léa. On s'en va. J'ai trop le seum. On va quand même passer une dernière journée quelque part là avant de partir ce soir à 19h. On va où? Ah pardon, oui, c'est vrai, je suis trop bête, désolée, j'ai la tête ailleurs. On va se poser, ça va bronzer, la dernière journée on fout rien, juste on se repose. Moi j'ai envie d'aller dans un beach club. Moi j'ai pas trop envie d'un beach club. Pourquoi? Non, en fait, en vrai de vrai, j'étais dans les beach clubs et ça saoule. La musique elle saoule, les gens ils saoulent. J'en ai marre de voir des gens à poil, donc vas-y viens, on va dans une petite... Je t'ai vu piquer les pesos, hein. J'ai volé de l'argent. En vrai de vrai, j'aurais... M'aide pas surtout. Non, je c'est cool les beach clubs et tout, mais je t'avoue, j'ai envie d'un endroit chill, posé, genre. Vas-y, hein, on va voir ce qu'on fait. En tout cas, Léa, merci d'avoir participé au vlog et à ce voyage. Voilà. C'est mon pourboire. Voilà. T'as ah oui, je veux savoir qu'ici, il y a des pourboires obligatoires, hein, au cas où. Ah ouais, la tête de homme. C'est 5, 15, 20%. Ah non, il y a 10 aussi. C'est des chiens avec leur pourboire, on savait pas en fait, ils disent c'est pas obligatoire en gros les pourboires, mais ils t'obligent ouais, limite. Tu donnes le pourboire en fait, genre c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, bref. Adem. Ouais. T'as dit quoi, maman? Ça va? Ouais, ça va, il faut que j'aille porter plainte pour le sac qui a disparu. Ah oui, les frères, on vous l'a pas dit, ma mère elle va porter plainte, pourquoi? Tu leur dis? Mon sac a disparu avant-hier. Il y a tous ses papiers dedans, permis de conduire. Les vraies familles, permis de conduire. C'est une dinguerie, c'est des patins. 250 euros en liquide aussi. Salut Adem. Salut. Tiens, des pesos. Wesh, comment t'as bronzé? Ah ouais? Je te jure, on est des... Vie de ma mère, regardez. J'avoue comment on est noir. Le voyage, il nous a rendu bien matin, bien rebelou, bien sucré salé, tu vois. Ah, hlou. Ah, je suis hlou. Bon, les frères, là, on range les valises dans la voiture. C'est en train de discuter par rapport à l'iPad à Leia à 800 euros qu'ils ont volé, frère. Et le sac à maman. Et le sac à maman. Frère, c'est une singerie. Ça a porté plainte, hein. Bah oui, c'est sûr, frère. Frère, le permis à maman, frère, fait comment pour conduire en France? Je vous explique, en mode, il y a une dame, pendant que nous, on était en train de faire des activités dehors, quelqu'un est rentré, ils ont déposé ça, et juste à côté, il y avait le sac de la daronne où il y a tout dedans. Ça veut dire qu'ils ont vu le sac, bam, ils ont volé. Alors que je vous jure, bah en fait, sur cette table-là, dites-vous... Il y avait tout le matos YouTube, le MacBook, il y avait une quicheta de 3000 euros, ils ont pas pris. Ils ont pris le sac, en plus c'est un faux, y avait force à eux. Il y avait tout le matos YouTube, ils volent pas, mais ils viennent voler un vieux sac ici posé. Genre limite, j'ai envie d'appeler les voleurs, leur dire « Eh, rendez juste les papiers à ma mère, gardez l'argent, j'ai le sac si vous gardez voulez. » Gardez le sac. C'était quoi la marque du sac? C'était un Yves Saint Laurent, je crois. Maman, c'était quoi la marque de ton sac? C'était un Michael Kors. Ah, Michael la personne Kors. A croyé que c'était de la marque, ou alors que c'était un falche. Cher. C'était un Michael Scofield, celui-là. Eh, au final, pour maman, je crois que c'était plus un cauchemar, ces vacances.
c'était un cauchemar de ouf. La vie de ma mère, elle a pas son mari, elle se fait voler. En plus de ça, nous ici, on a fait que de s'embrouiller. Enfin, que. Par rapport à l'histoire du daron, en off, on était païens, de sa fin, on était tous en pétard. Voilà, j'ai le seum, faut que tu ramènes ta mère dans des voyages et elle peut pas profiter correctement. Et là, on va tous aller retrouver papa. Ah là, ça y est, on va lui faire des câlins. Papa, t'es pas prêt, hein. Ça va dormir pendant un mois avec toi. Ah, ça fait un pique-nique. Vas-y, pique-nique. Hé, maman, est-ce que t'as un petit compte rendu de ce voyage? T'as kiffé ou c'était un cauchemar pour toi? C'était un cauchemar dans un rêve. Un cauchemar dans un rêve dans un cauchemar. Un rêve dans un cauchemar. Bien joué, le petit jeu de mots, j'ai kiffé. On a eu de tout en émotion, tout. Ouais, voilà. J'ai tout eu en émotion. Petit inconvénient, moi, de ma part, pour le Mexique, c'est que tout le voyage, dans tout mon bras ici, j'avais des copeaux de verre. Je sais pas d'où ils sortent. Ouais, je crois que c'était les matelas, frère. Là, on dormait les draps et tout. Regardez-moi cette belle gosse. C'est faux. Non, c'est pas faux. T'as pas... Ah, Zahma, t'as pas confiance en toi? Est-ce que tu te trouves belle, alors? Non, mais j'ai confiance en moi. Bah, si tu te trouves pas belle, c'est que t'as pas confiance. Merci. Faut que tu te trouves belle. Mais je mets confiance en moi, quand même. Et tu te mets combien sur 10 en beauté? 4. Quoi? T'as pas confiance en ma gueule? J'étais belle. Moi, je te mets un... Fais voir. Moi, je te mets un 8 sur 10. Allez, 9 sur 10. Merci. Et moi, tu me mets combien? 9 aussi. 9 aussi. C'est juste par respect que tu me mets 9. Ouais, je te mets 9,5. Ça veut dire que tu mets mieux Adem que moi. 9,5 aussi, vous deux 9,5. Non, mais qui est là? On va parler français. Tu vois, là, je suis pas coiffé et tout, mais c'est qui le plus beau entre moi et Bigel? C'est vous deux. C'est... Vas-y, tu fais comme la daronne, toi. Ah ouais, Zama, c'est vous deux. C'est très bien que c'est bon. Bon, pour le dernier jour, ça va se péter, cette bouteille. Ça y est, on a craqué, les frères. Je pète ma bière. Non, Starfall, en plus, je crois que c'est pas bien de la toucher. Ouais. C'est fini. Bon, la famille, c'est la fin de la villa au Mexique, de la famille A et B au Mexique, terminé. Ouais, bon, après, vous allez passer quand même la journée avec nous. On va retrouver papa en rentrant. On a trop hâte, voilà. Vous allez tous voir le daron, là. En tout cas, cette magnifique villa, les frères, ça y est, c'était incroyable, vraiment. Voilà, c'était les meilleures vacances, je pense. Hein. Ouais, bah, niveau tout, frère. Peut-être pas niveau bouffe. Ah, peut-être pas niveau bouffe. C'est vrai que c'est un point très important pour nous. Mais niveau paysage, oh, c'était la jungle. Ouvre ta vitre. T'as dit quoi? Pas couvert. Ça y est, vous avez pas trop le seum de quitter la villa, là? Si, j'ai la haine. Force, hein. J'ai même pas envie d'en parler, vas-y, viens t'asseoir. Ça y est, alors, le truc, c'est quand la nostalgie des vacances. Je suis en train de faire un post qui regroupe tout. Ah ouais? Suivez-moi sur Insta. Wesh, elle a fait sa pub cash. La suivez pas sur Insta. Tu veux voir la photo que j'ai publiée? Comme elle est belle. Puis oublie pas ça, elle est éclatée. Justement. Ça va, Kayla? Wesh, comment... C'est une dinguerie comme on a bronzé, wesh. On est vraiment noir. On est noir. Venez bouffer mes aisselles avec la clim. Voilà que ça pue, arrête. Ça paye. Ça paye. En tout cas, Adem, merci d'avoir été le chauffeur tout le voyage. Bon, la famille actuellement à l'aéroport de Paris. Orly. Ça y est, on est en France, j'ai trop le seum. Non, moi j'ai pas le seum, on va voir papa. On va voir papa, oui. Voilà. On est enfin arrivé dans ce pays où toutes les meufs elles sont trop moches. Oh ça. Mais par contre les mecs ça va. Oui. Je rigole, ça y est, j'arrête. On est tous aigris là. Vas-y, venez, on repart, raconte. Mais on va voir papa là. Ouais, ça c'est vrai par contre, ça je suis très contente ça. Ça j'ai le seum, les meufs elles sont claquées ici. Viens, on repart au Mexique pour les meufs. Les meufs, elles étaient claquées au Mexique, frère, elles ressemblaient à Carlos. Carlos? C'est qui, Carlos? Je sais pas. Il y avait une meuf, elle était incroyable. Ah ouais? Non, un mec. C'est pire. L'avion, il a duré trop longtemps. La durée. Oh, il est gênant. La famille, regardez, y'a qui arrive. On les a laissés dans la merde avec les valises, les filles là-bas, là. Force à vous. Ça y est, y'a papa. Wesh, papa. Ça va, le prisonnier? On l'a libéré, les frères, en France. Plus jamais de Mexique. Oh, le câlin. Ah ouais, Kayla, elle a retrouvé son père, les frères. Bisous. Moumou, ça a dit coucou, ça. Ah, Zama, il fait un bisou à son père. Bah ouais, frère. Je rigole. Ça va, Kayla? Pourquoi tu pleures, wesh? Mais je pleure pas, oui. Ah, tu pleures. Les frères, désolé de te déranger. Salem. Les enfants, ils vous aiment trop. Ils me cassent la tête. Moi, je les aime plus. C'est possible de leur faire une petite bise?
vidéo, les frères. Ouais, Chris X, comment tout le monde s'en fout. Petite dédicace par là, les frères, et là, on a retrouvé mon père. Vas-y, merci. Merci. Ça y est, il a retrouvé sa femme aussi. Soraya et... Ça va ou quoi? T'es ému, toi? Ah, c'est parti, on retrouve notre papa. Papa, c'est moi qui dors avec toi ce soir. Ouais, pas de problème. Voilà, on dort tous ensemble. On dort tous ensemble à 6. Regarde, regardez. Oh, t'as maigri, hein. Adem, il a fondu. Il a plus rien. Il a maigri, wesh. 9 kilos. 9 kilos, il a perdu. 5 kilos en garde à vue. Tu manges rien que des pommes. Ah, au final, on peut dire que ça a été bénéfique, la garde à vue. Ouais, c'est un mal pour un bien. De toute façon, les gardes à vue, c'est mon dada. T'en l'avais déjà fait? À l'époque, ouais. En France. Ah là, au Mexique, c'est pas pareil. Bon, les refs, ça rentre à la maison. Allez, accélère. Le pauvre, pas ça... Ah, le pauvre. Ils m'ont abandonné sur la route. Pourquoi vous avez fait ça? C'était l'idée de Léa. Je voulais juste faire pipi de base. La punition parce qu'il m'a abandonné au Mexique.